Salut tout le monde, c'est Hartman, et on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre les aventures du docteur Von Lebermann. Mais avant ça, hop, je vais dépenser un point pour acquérir un nouveau pouvoir de rencontre. Lumière brûlante. Tire un puissant faisceau de lumière à travers les cibles devant vous. Voilà. Et donc maintenant, je vais aller dans les tunnels en ruine pour récupérer... Je sais plus s'ils avaient volé la... Je crois qu'ils avaient volé un truc. Je sais plus. Ça fait pratiquement une semaine que j'ai pas joué avec ce personnage-là, donc... Parce que j'essaye d'alterner les vidéos des différents personnages, comme ça c'est moins ennuyeux. Le tunnel, il est à gauche. Ah, ça fait bizarre de pas avoir de monture. On se traîne... Allez, hop! Vous avez découvert un nouveau camp. Point de réapparition débloqué. Allez, je vais me bluffer un peu. Ça fera pas de mal. Donner des informations sur le cambriolage. Localisé au nord. Bah, il est efficace ce pouvoir de rencontre là. J'utilise le pouvoir quotidien. Bon, je récupère pas les kits. Ça va pas vite les temps de chargement. Les pouvoirs. Alors, est-ce que c'est un vrai coffre? Oui. Les faux, on passe à travers. Tiens, je vais mettre le son un peu plus fort parce que j'entends. J'entends rien. Honor Reg. Je sais pas comment ça se prononce, le GH. C'est pas hyper passionnant comme combat, hein. Vaquer au nord, terminé. Rien, passage secret. Il y a un passage secret. Et c'est un vrai coffre. Waouh, ça fait trop rêver. Fouiller le paquet. D'ouvrir en sécurité avec Karzov et les Nachères. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? On va voir ce que ça vaut. Plus 16 de puissance. Oh attention! Du coup maintenant j'ai 41 de puissance. C'est énorme! Allez, retour à l'enclave du protecteur. Donc là, faut que j'aille voir Knox. Oh que c'est long. Vous avez vu, il y a Van Helsing là-bas. Comme ça, on a le temps d'admirer des corps. Hein.
entre tous les personnages. Je me demande combien de fois j'ai pu monter, descendre cet escalier. Oh, un dinosaure. Coucou, Knox. L'enclave du protecteur à Gotwan est retourné à Black Lake. Sur la piste de la couronne. Si Gotwan est dans le quartier de Black Lake, il va y avoir du grabuge. Tendon, le quartier de Black Lake est un tas d'immondices. Et okay. Je ne parle pas que de la vase qui vient du lac. Les rebelles Nashérites se moquent ouvertement de Neverember. Et ils attaquent n'importe qui, ne prêtant pas allégeance à leur chef Karzov. Vous devriez aller voir le soldat Otidon Falwan. Si Gotwan est toujours à Black Lake, Otidon en saura quelque chose. Ça m'a marche. Heureusement que j'ai pas attendu qu'il finisse de parler pour y aller parce que j'aurais pas avancé. Toutes les zones que ça va me faire explorer par la suite. Donc Black Lake. Alors, parlez au soldat Otidon. Attention, vous mettez les pieds dans ce quartier. Salutations, je suis Otidon. À la recherche d'un suspect. Notre meilleur espoir de trouver Karzov ainsi que la couronne volée est d'entrer en contact avec Gotwan Cooper, une fripouille ayant participé au cambriolage. J'indique sur votre carte. Comment peut-on gagner sa la chasse aux pauvres se proclame révolutionnaire. Vous reprenez marchandises volées. Ils ne sont rien de plus qu'une autre faction de pillards. D'accord. Ils volent les pauvres en prétextant vouloir renverser un tyran, alors que seul l'argent les intéresse. J'en est assez. Je vais vous remettre l'argent qu'il me reste pour que vous m'aidiez à récupérer certains objets qu'ils nous ont volés. Donc, faut que je récupère 5 marchandises volées. Donc ça, ça fait 2. Bon, alors des fois je peux être distrait, je peux ne pas voir un truc que vous allez voir tout de suite vous. Ça veut pas dire que je suis mauvais, c'est juste que ça veut dire que je regarde pas au même endroit que vous. Alors, je m'excuse. Ça arrive. Donc 4 marchandises volées. Qu'est-ce qu'il y a? Un indice? C'est pas un indice, ça. C'est quelqu'un qui est mort au milieu de la route. Allez hop, donc ça, c'est bon pour les marchandises volées. Que savez-vous? Ah non. C'est là l'indice. Et le dernier, il est juste là. Ça va, pour débuter, c'est pas trop violent. En même temps, vu que j'ai pas de monture, ça serait très long s'il fallait faire 50 millions de kilomètres à pied à chaque fois. Je vais vous faire manger votre rive. Il est costaud lui hein. Par contre, ce que j'ai fait pour améliorer rapidement ce personnage, j'ai stocké des pierres de haut niveau pour que je puisse les mettre sur l'équipement dès que je pourrais en rajouter dessus. Voilà, pour le moment, il n'y a pas d'emplacement, mais par la suite, quand il y en aura, je vais vite les équiper. Puissent-ils m'attendre venir, votre père, ces maigres provisions. La note, les cadavres. Les rats de Luskan. Vous n'êtes pas le seul à vouloir que Gotwan et Luskan se trouvent Karzov et la couronne. Van Cooper, une bande de voleurs ragarous qui s'appellent les rats de Luskan ont eu vent de son rôle dans l'histoire et l'ont capturé.
Les Nasheurs ont abandonné Gotwan à son sort, donc si nous pouvons le sauver, il nous dira certainement ce que nous voulons savoir. Les rats de Loscan ont établi leur repère ici, dans les égouts. Je vais indiquer une des entrées connues sur votre carte, mais soyez prudent. Gotwan se trouve sûrement... Nous sommes des coups. Des instances. Je ramasse tout, au pire, si c'est pas pour moi, je les vendrai. Ah, je suis dans les égouts. C'est trop super. Donc, enquêter sur le repère des rats de Scan, trouver le terrier des rats de Scan. Vous avez obtenu un parchemin d'identification. Chouette. Faites un clic droit sur un objet non identifié et choisissez identifier pour utiliser le parchemin et révéler les statistiques de l'objet. Sauf que j'ai rien à identifier pour l'instant. Allez, va pour de la puissance. Parce que la vie, je peux me soigner, donc c'est pas grave pour l'instant. Et deux secondes après, paf, je meurs. Ah non. Aïe. Vous souffrez d'une blessure mineure. Si vous subissez deux blessures mineures au même endroit, la blessure devient sévère. Utilisez des bandages ou restez près d'un flanc durant 5 minutes pour soigner une blessure mineure. Vos points de vie sont bas. Utilisez une potion de soin pour les restaurer. Hop, ça y est. Ouvrir le portail. Bon bah j'accepte. Je sais pas qui c'est mais... Je regarde l'armure que j'ai droppée. Ah bah oui, je prends ça. Puis ça aussi. Je sais pas pourquoi il veut rentrer à ma guilde. Oh, elle est pas... Je vais dire non. Ah. Je regarde la cinématique, je tue le monstre et je lui réponds juste après. Flea Bottom. C'est un boss. Hop, petite esquive. Je m'occupe un petit peu d'eux. Ça va, je me dérouille pas trop mal. Allez, je me fais une petite potion de soin. C'est bon. Oui, salut mec. J'ai aidé à dérober le couronne de l'époque.
j'étais un loyal Nashair. Je regarde d'abord si dans le coffre avant d'activer les leviers. J'ai trouvé des bobottes. 12 mouvements. 12 défenses, 24 mouvements. Oh là. Score d'équipement 99. Bon, je réponds vite fait à Cédric. Ouais, je. Ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas le coup, virgule. Et... ma guilde. Ma panique va plutôt chez la furie nocturne. Va plutôt chez. Voilà. Parce que vu que Kurtz ne joue pas avec moi en ce moment, ben. La guilde, y'a personne qui s'en occupe, quoi. Les bons personnages, bah, c'est un vrai coffre. Ils sont chez la furie nocturne, donc il vaut mieux qu'ils aillent là-bas. Est-ce qu'il va s'ennuyer dans la nôtre? Ah, bah, je suis revenu là. Cool. Si vous vous aventurez dans le quartier. Salut, Hottingdon. Godwin Cooper nous a tout dit. Attention, vous mettez les pieds dans. Selon les dires de Godwin, Karzov se cacherait dans un abri non loin, tandis que la couronne serait cachée dans leur quartier général. Avant de commencer, nous devrions couper leur renfort potentiel. Une visite au quartier des Lambeaux devrait amplement suffire. Allez voir le soldat Zoé Fargo. Elle surveille l'abri où Karzov se cache. Ah ouais, mais. Non mais... ouais alors attends. Ah zut. Ah non c'est bon. Si vous avez le temps, on pourrait. J'ai récupéré ce que j'ai pu, mais je vais avoir besoin de nouveaux échantillons de vases de Black Lake pour mon. Bon allez, je vais chercher de la vase. Ces échantillons doivent provenir de types de vases spécifiques, ce qui serait habituellement une tâche facile. Sauf qu'il y a des rebelles violents partout. Ah bah j'ai pas été voir la bonne personne. Pour obtenir les échantillons. C'est malin. Et hop, de la bavase. Encore de la bavase. Non, pas de la bavase. Ouais, je suis fatigué. Ouais, je suis pas encore remis de mon opération de la semaine dernière. Parce qu'en fait, il m'est arrivé un truc bizarre. Enfin. Bon, je me suis fait arracher plusieurs dents. Ah, je peux pas attaquer. Ouais, je vais me noyer, moi, à force. Viens là. Super. Je me mets là. Voilà, là, je peux attaquer. Alors, comme je disais. Je me suis fait opérer, je me suis fait arracher plusieurs dents. Le problème, c'est que j'ai fait une allergie à des médicaments et. Et pas une petite, hein. J'étais vraiment de. Je ressemblais à un homard. J'étais tout gonflé, enfin bref. Ça fait que j'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs jours. Heureusement que j'en avais enregistré certaines à l'avance. Ça m'a permis d'en mettre un peu tous les jours. Ah mais c'était vraiment la grosse allergie quoi. Donc je saurais que maintenant il faut pas que je prenne d'amoxicilline. Ça ne me réussit pas. Parfait. Avec ces ouais, niveau 7. Appuyez sur P puis acheter ou réaffecter un pouvoir de rencontre. Je vais voir Zoé Fargo. Je vais arrêter la vidéo pas longtemps après. Pour qu'elle soit trop longue. Je suis heureuse que vous. Les Nashair ont mis feu à leur repère pour couvrir la. Bon allez, je vais faire ça. Je me buff.
trop tard. Message privé. Attends. Vous avez reçu un message. Ah bon? Bah non, j'ai pas reçu un message. Ah. Hop, dis bonjour aux abonnés. Quelle ambiance de fou! Oh là là! Ah, c'est sûr que moi je suis un youtubeur cool. Je suis pas tout le temps en train de hurler et tout. Je dis pas putain, merde, fais chier, oh bordel de merde! Hop! Ça, je me rappelle que je l'avais fait il y a bien longtemps. Un coup de courir contre le mur. Symbole, ok. Examiner le message. Okidaki. Tuer tous les monstres. Là, mon inventaire se remplit. Courez, Karzov, on va les retenir. Ouais, espèce de chachotte. Donc, un scalpel. T'es là, ça. Loupé. Un sac à dos d'aventurier. Du coup, mon inventaire est plus grand. Ce que je vais faire, je vais agrandir la fenêtre. Ah voilà, ça fait plaisir. Parce que ça, c'est un problème qui se pose rapidement. Le coup du sac à dos qui est toujours rempli. Par les neuf enfers. Alors. Vous allez avoir besoin d'une diversion pour ne pas... Bon, ce que je vais faire... ça doit faire une vingtaine de minutes là, que la vidéo ait commencé. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut !